et trois pays les plus infidèles. Le premier va te choquer. Numéro 3, l'Allemagne. En Allemagne, la culture libérale en matière d'infidélité a contribué à un taux élevé d'hommes et de femmes, respectivement 45% chez les hommes et 41% chez les femmes, qui ont admis leur trahison. En Allemagne, l'infidélité est souvent considérée comme une simple passade. Numéro 2, l'Italie. L'Italie occupe la deuxième place du classement, avec 45% des hommes et 41% des femmes qui admettent avoir été infidèles. La culture italienne traditionnelle, où les hommes sont souvent considérés comme les leaders de la relation, joue un rôle important dans ce score élevé. Avant de te donner le numéro 1, pense à t'abonner et à aimer la vidéo. Numéro 1, la France. Les Français sont les plus infidèles au monde, avec 43% des hommes et 42% des femmes admettant l'infidélité. Beaucoup attribuent ce taux à la culture française romantique et à la vision moins restrictive des relations amoureuses. Et toi, est-ce que tu t'es déjà fait tromper? Dis-le-moi dans les commentaires et abonne-toi.